Certains grands films ne parviennent pas à survivre à l'épreuve du temps. Non pas que ces films soient mauvais, loin de là, mais c'est tout simplement que le temps est cruel. En ce sens, je cherche simplement à rappeler que parfois, certains grands films de l'histoire du cinéma, que l'on va chercher plus que tout à ériger comme le pinacle de la réussite créative et cinématographique, ne sont tout simplement plus dans l'air du temps. Et en ce sens, certaines grandes œuvres de cinéma se posent parfois simplement comme des tentatives plus ou moins réussies de réussir cette épreuve. Certains métrages, en étant parfaitement et simplement ancrés dans une réalité du cinéma, comme certains films de Charlie Chaplin ou certains grands monuments du 7e art, se posent comme des chefs-d'œuvre intemporels, simplement par le biais de cette optique, et certains métrages réussissent à survivre à cette épreuve en posant des codes et en les respectant, en apportant un tout petit plus qui fera la différence, que ce soit dans l'image, dans la maîtrise du sujet, ou simplement en étant un objet unique en son genre, rare et tout simplement éternel. Et je pense que même si l'on peut reprocher beaucoup de choses au long métrage que je vais évoquer aujourd'hui, cette épreuve du temps, il y a clairement survécu. Le long métrage devenu l'un des grands classiques d'un immense auteur du 7e art, qui encore aujourd'hui ne cesse d'inspirer des metteurs en scène, ne cesse de rappeler à quel point la maîtrise de la peur apporte énormément à un métrage et surtout permet à un spectateur de ne pas simplement rester terrorisé dans son fauteuil, mais de ressentir cette peur en dehors de celui-ci. Les Oiseaux d'Alfred Hitchcock est un immense morceau de cinéma, une œuvre rare, qui ne cherche pas simplement à parfaitement représenter une peur sur un grand écran, mais cherche à lui donner une ampleur, une forme, une force implacable et grandiose qui rappellera simplement aux spectateurs que les plus grandes peurs sont celles qui ne prennent pas sens dans l'instant, mais qui au fur et à mesure qu'elles semblent inexplicables, vont alors devenir un objet de fascination et donc de crainte. Ainsi se pose un monument du 7e art, ainsi se pose une peur immense. Ainsi commence l'aventure d'un des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma, Les Oiseaux. Si je devais résumer simplement le scénario de McBain basé sur le roman de Daphné du Maurier, ce serait un peu comme ça. L'histoire d'une jeune femme cherchant l'amour de sa vie durant l'apocalypse. Comme s'il n'y avait aucunement besoin de raconter grand-chose de plus pour faire peur aux spectateurs. Je trouve cela immense et en même temps, si logique et cohérent par rapport à ce que le spectateur peut attendre de ce genre de récit. Les artifices dramatiques, l'essence même des personnages, les fondamentaux qui les animent, les débats autour du pourquoi ces oiseaux attaquent, tout cela est réduit à son essence la plus pure pour pousser non seulement le spectateur à remettre en question ce que le scénario amène, mais surtout pour faire germer la même peur qui anime Bodega Bay dans notre esprit. Et même si cela peut sonner comme un poil complexe, dans une ère où il faut tout expliquer, tout cela est tellement logique. La peur naît de l'incompréhension, ainsi. Voir une mère en panique pour ses enfants avec ce contexte, acculer le personnage de Mélanie en l'accusant de ses horreurs, cela ne semble jamais incohérent, simplement logique dans une optique de terreur et de peur profonde, et c'est cela que je trouve parfaitement maîtrisé par McBain au cœur de ce récit renversant. Sans en faire trop, sans rajouter d'effets, sans essayer d'abuser des artifices, c'est cela, je pense, qui fait que la peur fonctionne ici et qu'elle est maîtrisée par l'auteur. Vous me direz, lorsqu'on parle d'Hitchcock, c'est évident. Mais c'est bon de le rappeler. Le maître de l'épouvante à l'anglaise pose son métrage comme un immense travail de son et d'ambiance et ne cherche jamais à en faire une expérience brutale pour le spectateur. Mais simplement une expérience où la logique de sa caméra ne va amener que ce qui fait la grandeur de son style. Déjà, aucune musique. Hormis une chorale d'école qui a tétanisé tous ceux qui ont déjà vu le long métrage, aucune musique n'accompagne le film. Comme si le son de ces oiseaux suffisait à générer une peur quasi instantanée dans notre cœur et dans notre âme, et cette idée, aussi simple soit-elle, est tout de même surprenante de la part de Hitchcock surtout. Ce qui marche, c'est aussi l'envergure de sa mise en scène, jouant à fond le côté apocalyptique de son œuvre et surtout amenant des plans de caméra tout simplement extraordinaires, à l'image de cette nuée d'oiseaux fondant sur Bodega Bay en plein apocalypse. Personnellement, je me rappellerai toujours de cet instant. Et surtout, Hitchcock, même s'il est habitué à l'horreur, fonce ici à fond dans un cinéma proche du gore, pour donner lieu à des images qui, personnellement, peut-être trop jeune devant cette œuvre, m'ont tétanisé à l'image de ce corps sans yeux. La peur est frontale, directe, et le metteur en scène n'a pas besoin d'en faire trop, juste de peindre l'apocalypse et d'en montrer les conséquences. Et bien évidemment,
on retient surtout le long métrage pour les performances de ses différents acteurs principaux, notamment trois. Ce qui marque, c'est à quel point d'abord Tippi Hedren, dans son premier rôle au cinéma, impose une prestation qui pourrait sonner comme proche de la caricature d'un enfant gâté, mais qui permet à son interprétation de gagner en puissance lorsque l'horreur commence à arriver face à nous, notamment dans cette scène de café où elle cherche à convaincre la population. Ensuite, Rod Taylor n'est jamais dans l'excès. Il cherche au contraire à jouer un côté charmant et charismatique dans la forme que prend son personnage, mais en ne cherchant jamais plus que cela à abuser de sa douceur assez naturelle, comme un Cary Grant par exemple, ou un James Stewart, donnant lieu à un héros qui sonne comme très simple et humain avant tout. Et enfin, Jessica Tandy, dans le rôle de la mère, impose une performance aussi glaçante que finalement fragile au fur et à mesure que le récit prend forme, permettant ainsi à Hitchcock de jouer sur la place de ses héros tout du long de son métrage, sans chercher plus que cela à en faire des caisses avec ses acteurs, et permettant ainsi à cette mère d'avoir un véritable impact sur la fin du métrage. Un trio qui donne tout son sens aux propos autour de la famille, et qui rend le récit encore plus fort. Quoi de mieux qu'une baie perdue au cœur de l'Amérique pour donner un point de vue unique sur l'apocalypse? Si Hitchcock a toujours été doué pour situer correctement ses œuvres au sein de décors, ou de lieux atypiques ou iconoclastes, il est indéniable qu'au cœur de cette œuvre, il réussit non seulement à placer un lieu proche de l'idyllique, mais également à jouer avec le côté clos de celui-ci pour faire grandir la peur dans l'esprit du spectateur. Cette cuve au cœur des montagnes, dont la route d'entrée est également la seule route pour sortir, permet au cinéaste de mettre en place non seulement une ambiance qui fait froid dans le dos, mais qui lui permet également de jouer avec des décors allant de la baie proche du paradis au lac inspirant presque une ambiance de fin du monde, renforcée par ses nombreux instants de cinéma iconiques qu'il développe, comme avec cette séquence de fin tout simplement magnifique et tétanisante où il se permet de jouer avec les oiseaux et l'ambiance qui les entoure. Jamais Alfred Hitchcock n'aura aussi bien joué avec le geste et la manière avec laquelle un décor peut inspirer une peur, dans ce que celle-ci peut avoir de plus idyllique, bien loin de son hôtel, qui n'inspire absolument pas la confiance, qu'on se le dise. Encore une fois, au travers de son œuvre, le cinéaste anglais développe tout ce qui fait la forme et la force de son cinéma. Un cadre où tout peut arriver. Bien plus que de m'avoir simplement marqué à jamais par le biais de ses images profondément noires et de son ambiance glauque et pesante, le long métrage de 1962 d'Alfred Hitchcock est un morceau de 7e art que j'ai tendance à bien plus apprécier que Surfroide ou Psychose, car je trouve l'aspect biblique et apocalyptique tellement bien maîtrisé par l'auteur que cela me terrifie et m'hypnotise aussi. Bien plus encore que de réussir à transcender une histoire simple, bien plus encore que de réussir à maîtriser son ambiance et son cadre, bien plus encore que de parvenir avec une immense justesse à développer une puissance visuelle qui en impose, portée par des acteurs tout simplement parfaits, le cinéaste anglais fait du cinéma, un cadre dans lequel il peut se permettre, et au sein de son apocalypse vertébré volant, il se permet tout ce qui fait la forme et la force d'un cinéma sortant clairement de l'ordinaire, même encore aujourd'hui. Une œuvre intemporelle, que je vous conseille de voir et de revoir, encore et encore, en sachant que vous aurez certainement tout aussi peur à chaque fois.